avec le secrétaire général des Nations Unies, ils ont passé en revue tous les grands dossiers de l'heure au niveau des Nations Unies. Évidemment, ils sont revenus encore sur la pandémie de la COVID-19, la question du vaccin, aussi bien en termes d'approvisionnement qu'en termes de capacité de production. Ils sont aussi revenus sur la question de la dette, de ressources à mettre à la disposition des pays africains pour la relance. Ils ont abordé aussi la question du Soudan, avec ce qui se passe, il y a eu un coup d'État militaire. Il y a aussi la question du Tigré, c'est-à-dire de ce qui se passe entre l'Éthiopie et le Tigré. Et à ce qui concerne la RDC, par exemple, la question importante de la sécurité à l'est du pays. Avec le Premier ministre italien, c'était presque dans la même lancée, avec certains problèmes bilatéraux, notamment le procès de l'ambassadeur Attanasio Lucas, les investissements italiens en RDC et aussi la question de la sécurité à RDC, pour voir dans quelle mesure très rapidement l'Italie peut revenir dans notre pays, comme dans le temps, avec des investissements pour participer à l'œuvre de reconstruction nationale à laquelle s'attellent les chefs de l'État et le gouvernement. La gestion, la relance des économies après la pandémie, plus particulièrement des économies africaines. Et pour cela d'ailleurs que le président a fait quelques interventions en tant que président d'exécutif de l'unité de l'Union africaine. Les discussions vont continuer demain dimanche parce que c'est le jour de la fin de travaux. Il y a aussi d'autres problèmes que j'appellerai connexes par rapport à ce que j'ai cité, le problème de la sécurité à travers notre continent, le problème de la dette des pays en voie de développement et le problème de la pauvreté.